Sonia. Ne vous disputez pas comme des enfants. Pour un minus. Écoute-moi, maman. Si quelqu'un touche à un seul de tes cheveux, je jure qu'il aura affaire à moi. Croyez-moi, je m'en souviendrai. On va voir ça. Jésus, je déclare la paix du Seigneur dans cette maison au nom de Jésus. Je déclare la paix dans cette maison au nom de Jésus. Amen. Que toute force des ténèbres dans cette maison soit détruite au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient ses formes, je peux détruire au nom de Jésus. Car il est écrit dans la parole qui nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Quelle est cette force qui se dégage? Maximal Valentore Valencia! Maximal Valentore Valencia! Au nom de Jésus, amen. Nous venons marcher sur tout pouvoir des ténèbres qui domine cette maison. Au nom de Jésus, amen. Maximal Valentore Valencia! Maximal Valentore Valencia! Nous brisons ce fondement, nous brisons sa fondation, nous déclarons la ruine du diable dans cette maison au nom de Jésus. Maximal Valentore Valencia! Maximal Valentore Valencia! Amen. Que le feu du Saint-Esprit consume et brûle tout cet endroit au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre toute cette maison au nom de Jésus. Amen. Que la paix est dans cette maison. Maximal Valentore Valencia! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu, que là où les plantes de nos pieds vont fleurir, tu vas nous donner en possession. Nous possédons maintenant cette maison. Au nom de Jésus, amen. Que la paix règne, que la paix règne, que la restauration soit dans cette maison. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ton succès. Que l'honneur et la gloire te deviennent, Seigneur. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, je veux du peuple. On pourrait appeler dans la maison. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu déclares dans ta parole. Ah. Que le feu du Saint-Esprit tout esprit démoniaque dans ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu déclares dans ta parole. Nous serons les mêmes malades. Et ceux qui seront. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Je détruis toute forteresse dans le corps. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sors. Sors de ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Hey, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes tes forteresses. Je brise ta fondation. Je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois libéré maintenant. Que tu sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci Seigneur parce que tu as délivré cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia.
Ah bon, où est-elle? Elle est à la maison. Ça va. Alors. Oh, pour comme ça, où est-ce que tu es? Ah! Ah, fille! Maman. Rosa, c'est comment? Ça va bien, maman. Maman, ça fait longtemps. Ah. Ah. Avant que toi tu m'appelles, voilà, j'étais au champ. Je te dis. Sinon, comment vont les gens de la ville? Tout le monde va pour le mieux, sauf papa avec sa première de finance. Ah, le pauvre. C'est à tout le monde. On dirait que c'est une épidémie partout. En ce moment, même dans le village, c'est très grave. Vraiment. Montez au Dieu, t'as de la poids, m'y aimer pas. En passant. Est-ce que tu as encore eu les nouvelles de ta soeur Vicky? Monsieur, voilà, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est vous, monsieur Motema? Oui, c'est bien moi. Officier Magnan, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez un mandat d'arrêt? Bien sûr, signé par le procureur, monsieur. Brigadier! Mon commissaire! Saisissez-le! Monsieur, tenez la soupe. Attendez que je vous avance. Monsieur, avancez! Avancez, monsieur! Avancez! 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 Ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus aucune de ses nouvelles, ma fille. Et puis qu'elle m'a abandonné ici au village. Maman! Ok! Ça ne va pas. C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman! Quelque chose va-t-il arriver? Maman est à l'hôpital! Elle a quoi pour être à l'hôpital? C'est si grave que ça, ma fille! Hein? Elle a fait l'accident! C'est si grave que ça! Mon Dieu! Attends, je m'en vais chercher ça. Non, maman, ça ne va pas la peine! Comment ça, ça ne vaut pas la peine? Elle est morte, Mami!
Dieu. C'est vous qui m'aviez aidé dans mes problèmes de maladie. J'étais accompagnée de ma camarade. Ah, ok. Je me rappelle maintenant. Comment va l'autre fois? Ça promet. Quand je parle de la parole de Dieu, tout le monde me persécute. Voilà, c'est là. S'il vous plaît, grand ballon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouvrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, non. Cela fait environ peut-être 4 jours que je n'ai rien mangé. Pouvez-vous m'aider un peu de temps? Pourquoi c'est le fenêtre ici là? C'est quoi encore? S'il vous plaît, grand. Il y a encore? S'il vous plaît, ouvrez le ballon. Qu'est-ce qu'il y a encore? S'il vous plaît, pouvez-vous me rappeler comme ça? Laquelle? J'aimerais. Que pardon, vous rencontrez Joël. Oui, et après? Bon, je voulais que vous l'enverrez une lettre. Oui. En attendant, aidez-moi à l'informer avec lui. Vous pouvez que ça donne vous payer ici là. Vous pouvez donner celui, monsieur. Moi, tout ce que j'ai. Combien, monsieur? Donnez d'avance là. Oui, à plus. Aidez-moi à informer avec lui. Ok, monsieur, j'arrive. Ok. Même mes voisins et ma propre mère m'abandonnent. Cela ne me surprend pas, ma soeur. Jésus a dit dans sa parole, ceux qui croiront en lui seront persécutés. Donc tiens ferme et surtout prie beaucoup. Ça va aller. Prie beaucoup. Hein. Merci Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous monsieur Joël? Oui, c'est bien et bien moi. J'ai une lettre pour vous, de la part de monsieur Vessage. Au revoir monsieur. Au revoir. En situation difficile. En ce moment même, je me trouve en cellule pour quelque chose que je ne connais même pas. Je compte sur toi pour me sortir de là. Que Dieu te bénisse de la part de tes fesses. Stéphanie, apporte-moi le lustre de vie, Stéphanie. Est-ce le virement en faveur du centre de santé, la
révision a été effectuée. Oui, j'ai été déjà fait depuis la semaine dernière. Monsieur Zéton? Non. Combien de clients ont-ils gagné de la révision? Je n'ai pas le nombre exact. Je vais consulter ma machine. Bonjour mon cher, comment tu vas? Non, très bien. Oui, c'est à propos de notre prisonnier. Ah, Motema. Oui, Motema. J'ai ici en face de moi une jeune fille qui prétend être sa fille. Qu'est-ce qu'elle veut? Son rêve supplie de l'ignorer. Monsieur le commissaire, est-ce que vous voyez qu'il a compris la leçon? Bon, je crois. Parce que les deux jours de celui-là m'ont suffi pour comprendre. Ok. Libérez-le. Ok, je te rappelle plus tard. Merci, moi je viens comme ça. Je dois juste des choses à faire donc. Je ne parle pas. C'est vraiment important l'essence. Il y a vraiment des choses à faire et le moment n'est pas bien choisi. Donc, tu sais où me rencontrer. L'essence, bye bye, Joël. Il semble que hier j'ai pris un mauvais sang. Et ça me dérange. Au fait, où est ta maman? On est ensemble. Parce qu'elle n'a pas passé la nuit ici. Je suis sûre que c'est Joël et ce maudit pasteur. De toutes les façons, je ne suis pas venue ici maintenant. Je viens juste récupérer quelques de mes affaires et partir. Je vous laisse dans votre belle maison. Maman, bonjour. Bonjour. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu avec nos voisins du quartier. Dieu nous a tous créés à son image. Il n'y a personne ici qui ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Dieu ou bien que Dieu ne lui est pas créé. Dieu dit dans sa parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont commencé à
péché, ils ont désobéi à Dieu. Et à partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Il y a les maladies, il y a les méchants, la sorcellerie. Et après on meurt. C'est à cause de la méchanceté. Or Dieu dit dans sa parole, dans Jean 3, le verset 16, que j'aimerais que mon frère lit. Jean chapitre 3, le verset 16. Oui, tu peux le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu dit que Dieu nous a beaucoup aimés, de telle manière qu'il a donné son Fils unique. Il s'agit ici de Jésus. Et il dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous n'irons plus en enfer parce que nous avons péché. Nous irons en enfer parce que nous avons rejeté sa parole. Parce que nous n'avons pas cru en lui. Oh, Dieu dans son amour nous a beaucoup aimé. Il t'a aimé, il m'a aimé. C'est pour ça que... Thank you.